Il était fils d'un juge de paix et d'une enseignante. Il avait une sœur jumelle, Régine, deux autres sœurs et deux frères. Dès le début des années 50, tout en faisant de la figuration au théâtre et dans quelques films, il travaille au Musée de l'Homme à Paris, au département Afrique noire, en qualité de documentaliste CNRS. Lorsqu'en 1954, il crée et dirige la Compagnie des Griots, première troupe de comédiens noirs à exister en France, dans le but de favoriser la promotion des artistes de couleur en leur proposant, grâce à des rôles intéressants et non de faire valoir, de contribuer à la vulgarisation et à la diffusion des œuvres du théâtre noir, de faire connaître au public noir des œuvres du répertoire classique français et étranger, de développer une littérature dramatique noire, en suscitant de nouveaux auteurs, et enfin de fonder une école de comédiens noirs. À ses côtés, Darling Legitimus, Théo Legitimus, Génie Alpha, Bachir Touré, Toto Bissinthe, Greg Germain, Timothée Bazari, Lydia Iwandé, Daniel Van Berkik. Cette compagnie dure jusqu'en 1972. En 1966, sa compagnie a fusionné avec celle de Medondo, devenant ainsi la compagnie Griot Shango, et est à l'origine de créations qui font date. Les Nègres de Jean Genet sur une mise en scène de Roger Blin dont il sera très proche, puis la Tragédie du Roi Christophe et Une saison au Congo, deux pièces d'Aimé Césaire, ainsi que La Fête à Harlem de Melvin Van Peebles, L'Esclave et le Métro Fantôme de Le Roi Jones, et notamment sous la direction de Jean-Louis Barrault des pièces d'Alexandre Pouchkine, Eugène Ionesco ou John Millington Synge. Il joue par la suite dans le spectacle d'Antoine Bourseiller, Oh America, d'Embossement Elena, avec Toto Bissinthe, Le Camp du Drap d'Or de Serge Rezvani, ou encore en conduisant Miss Daisy, avec Tila Shelton. La carrière de Robert Liensol est vaste et recouvre plus d'un demi-siècle. On se rappelle ses rôles principaux dans les dramatiques télévisées La Case de l'Oncle Tom, 1963, tournée dans le cadre de l'émission culturelle Le Théâtre de la Jeunesse, ou encore Les Verts, Pâturage, un autre rôle dramatique teinté de comédie du même Jean-Christophe Averti, ainsi que La Putain Respectueuse, Lettre du Bagne ou L'Aventure Ambiguë, en 1967. Après une apparition au soir dans Playtime de Jacques Tati, il débute au cinéma dans L'Admirable Soleil au de son vieux complice l'acteur-réalisateur mauritanien Medondo, tourné avec un maigre budget, accueilli contradictoirement par la critique, distribué plusieurs années après. Ce film trace le portrait d'un immigré noir qui monte à Paris, au pays de ses ancêtres les Gaulois, une œuvre forte et admirable qui mérite d'être redécouverte aujourd'hui. Par la suite, il tourne entre autres Coco la fleur, Candida et Vivre libre ou mourir, de son compatriote le réalisateur guadeloupéen Christian Lara, Neige de Juliette Berthaud, avec notamment Patrick Chesnay et Jean-François Stévenin, qui obtient la caméra d'or à Cannes en 1981. À Mogue du réalisateur marocain Swail Ben Barka avec Myriam Makeba ou Yves Benetton, Périgord noir de Nicolas Ribovski, avec Jean Carmet, Roland Giraud et Jacques Gamblin, L'exil du roi Béanzin de Guy Deslauriers, avec l'acteur américain Delroy Lindo. Dans ce film, son rôle de gardien du roi Béanzin en exil est couronné d'un prix d'interprétation au Festival du cinéma de Namur, sans oublier qu'il partage l'affiche en 1989, avec Génie Alpha, dans le film de Julius Amédée Lahou, La vieille quimboiseuse et le majordome. Robert Liensol a prêté sa voix pour le doublage de nombreux films, téléfilms et séries, et apparaît dans les coproductions internationales Target de Arthur Penn avec Gene Hackman et Matt Dillon, Passe-passe de Nicolas Gessner avec Ben Gazzara et Jean-Yann, et Laura Courcy de Giuliano Montaldo avec Nicolas Cage. Il est également la voix du grand-père dans Kirikou et la sorcière et Kirikou et les bêtes sauvages, dessin animé de Michel Oslo de 1998 et 2005. Atteint de la maladie d'Alzheimer dans le courant des années 2000, Robert Liensol déserte peu à peu les plateaux de tournage, les scènes de théâtre et les studios d'enregistrement.
Après une chute dans son appartement, il se fracture le col du fémur et décède peu après l'opération d'un probable choc septique pulmonaire dans un hôpital parisien, à l'âge de 88 ans. Peu avant sa disparition, il fit une dernière apparition dans Panis, problème de son ami Christian Lara.